Shalom, chers amis, comment choisit-on la yeshiva où étudier? Comment choisit-on son maître? Réponse, il y a trois critères, et dans cet ordre-là. Tout d'abord, la vertu. Les vertus, les midot tovot, ça précède tout. Autrement dit, on choisit la yeshiva ou le maître qui nous aide à acquérir des vertus. Secondement, Yirat Hashem, la crainte de Dieu. Comme on le sait, c'est la conclusion du livre de Kohelet de l'Ecclésiaste. En fin de calcul, nous avons analysé tout. Il faut craindre Dieu et respecter ses commandements. Et troisièmement, là où on arrive le mieux à grandir en Torah, en connaissance de la Torah. La Torah pèse autant que tout, et l'étude de la Torah, la connaissance de la Torah, amène en fin de compte au respect de toute la Torah. Shalom.